Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du mardi, comme d'habitude, unboxing, salut Yo. Salut Alexis, salut les amis, on est ravis de vous retrouver comme tous les mardis. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur un produit qui n'est pas forcément une nouveauté, encore une fois. Ah non, pas du tout même. Le mardi, c'est pas forcément de vous présenter tout le temps ce qui vient de sortir. Il y a d'autres journées pour ça. Il y a aussi notre Instagram que qu'on vous invite à suivre et notre page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement. On a aussi les lives du lundi, les vidéos du lundi d'unboxing du fournisseur. Donc là, il y a vraiment la nouveauté, mais il n'y a pas de l'unboxing. Il y a plus du... On montre ce qu'on a reçu. Après, ça peut donner des idées aux gens. On a des démos le mercredi avec Max ou Xavier aussi, qu'on va essayer de motiver à faire de la magie un petit peu. Il faut qu'on le sorte de l'ordinateur, on a aussi la page YouTube, on insiste, parce qu'en fait, c'est d'abord sur YouTube qu'on va uploader, qu'on va mettre la vidéo d'un produit qu'on s'apprête à mettre en ligne. Donc, si vous abonnez à notre page YouTube, vous serez informé dès le début du processus de la mise en ligne du produit. Donc, on a une nouveauté, qu'elle soit un jeu de cartes, un DVD... Exactement. Un produit quel qu'il soit. Sachant cet unboxing se retrouve aussi sur YouTube. Peut-être que vous le regardez sur une vidéo Facebook, mais vous pouvez le regarder sur YouTube. C'est peut-être plus pratique pour le lecteur, si vous êtes sur smartphone ou autre. Mais voilà, vous pouvez aussi retrouver toute la playlist. Et puis ça permet aussi de rechercher rapidement. Quand vous êtes sur Facebook, c'est compliqué d'aller voir. C'est ça. Donc Alexis, tu vas nous parler de... The Prediction Magic Maker. Je suis vraiment assez fan de cet effet parce que j'aime beaucoup l'idée d'utiliser un jeu normal, parce que c'est un jeu complètement normal. Astor avait une version Avatar Card. Et là, c'est The Prediction qui se fait avec... Je vais te montrer... avec donc une prédiction, hein, comme son nom l'indique. Et ici... Deux petits jetons, on verra ce que c'est après, deux petits jetons en laiton ici, et un jeu de cartes Talio dans un étui Bicycle, il n'y a pas de souci. L'idée c'est que, parfait, on va juste mélanger un peu les cartes, et je vais te laisser le jeu, je veux que tu comptes un nombre de cartes sur la table, autant que tu veux, tu t'arrêtes vraiment quand tu veux, tu ne te sens pas influencé par ce que je vais te dire, parfait. Je récupère le jeu, et tu vas les distribuer en deux piles, alors soit tu commences par là, et tu vas par là, soit tu commences par là, oh, parfait, nickel. Donc là, on est d'accord que tu t'es arrêté sur un nombre précis de cartes. Si tu t'en étais arrêté sur plus, on serait tombé sur des cartes différentes. L'idée ici, c'est que tu t'es arrêté sur le 2 de pique et sur le 3 de cœur. Maintenant, je vais te laisser un dernier choix. J'ai un rond et un carré. Est-ce que tu préfères mettre le rond sur le 2 et le carré sur le 3 ou l'inverse ? L'inverse. Le rond ici et... D'accord, ok, comme ça. Parfait. Il n'y a rien vraiment de setup. Hein. On est d'accord que... D'ailleurs, on ne fait pas de change avec la caméra, mais... On montre juste à la caméra pour qu'ils comprennent rond, carré. Hein. Les jetons sont ronds, mais vous avez... Hop, vous avez un petit rond ou alors un petit carré. Un carré, exactement. Comme ceci. Donc l'idée, c'est que tu as fait ton choix, tu ne veux pas changer d'avis. Et j'ai la prédiction ici depuis le départ. Et si on regarde sur la prédiction, j'ai le rond, le 2 de pique qui est troué avec un rond. Et ici, le 3 de cœur avec un carré. Et ce n'est pas du black art, hein, c'est vraiment un vrai rond. Donc ça, c'est vraiment la dernière phase des choix. Parce qu'au départ, évidemment, on part sur une thématique qui est globale et qui est assez connue des magiciens. Mais rajouter les jetons et ces cartes-là qui sont immuables, en fait, hein, c'est vraiment un rond unique. Je trouve ça génial et vous avez besoin que d'un jeu normal, des deux jetons, des deux cartes de prédiction et du porte-carte qui n'est pas gimmické du tout. Donc qu'est-ce qui est fourni exactement? Du coup, tu as ça, donc tu as les deux jetons, le petit porte-carte et les deux cartes de prédiction qui sont fournies. Et libre à nous donc de fournir un jeu de Talio, Bicycle. Exactement, donc en fait tu n'as pas de jeu de gimmick en plus à part ce qu'on vient de parler. Et donc ils nous apprennent sur une vidéo en anglais. En anglais, et il y a une vidéo en français. Le petit forçage quoi en fait. C'est ça, c'est un forçage. Par contre, ça c'est un choix libre. Donc en fait, c'est là, on en parlait dans une vidéo précédente, c'est un mélange de choix libre et forçage qui fait que l'idée, elle est vraiment intéressante. Ça vient vraiment troubler les pistes. Exactement, que ce soit pour les magiciens ou les spectateurs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que on a fait une vidéo en français sur cet effet, donc elle n'est pas aussi longue ni construite, enfin, il n'y a pas toutes les subtilités de la vidéo en anglais, mais ça vous donne une base pour, en 5 minutes, vous avez compris comment ça marche. Vidéo en français qui, si vous l'achetez sur le site internet directement, apparaîtra dans votre espace client. Si en revanche, vous l'achetez en boutique, ne jetez pas votre ticket de caisse maintenant. Le code des accès à la vidéo française est... C'est ça, se trouve sur votre ticket de caisse. Donc comme ça, vous pouvez y accéder sur votre compte client. Le prix, est-ce qu'on en a parlé du prix? Non, je crois pas, 29,90. C'est disponible en boutique et sur le site. N'hésitez pas à demander à Max qui fait une très bonne démo. Enfin, Max il fait des très bonnes démos de tout, de toute façon. Mais j'aime beaucoup sa présentation. Donc voilà, si vous êtes de passage... Un petit peu faillot, là. Ouais, je suis un petit peu amoureux de Max. Ouais, on aime bien Max. Donc voilà. Mais Max le fait très bien. Et si
si vous voulez venir voir en boutique le fonctionnement, c'est pareil. On va pas pouvoir malheureusement en discuter en public comme ça sur Facebook parce que c'est un peu compliqué. Mais on n'hésitez en a pas. Déjà trop dit à mon goût. Un petit peu. Ouais, mais c'est pas grave. Faudra regarder. Du coup, les commentaires, les questions, vos questions en commentaires si vous en avez. Puis sinon, on se donne rendez-vous mardi prochain. Allez, on se retrouve mardi prochain. À bientôt. Salut. Bye bye.